Bonsoir à tous. Donc, je suis Anthony Beton, dirigeant de Novius, qui effectivement n'est pas une entreprise toute jeune, puisqu'on a 15 ans d'existence. On est une agence internet globale qui compte deux agences. La principale étant lyonnaise, on a 32 personnes à Lyon et 3 personnes à Paris. Et notre métier est de fournir des solutions complètes pour les professionnels de la communication. Alors pour fournir des solutions, il faut des services, mais il faut également des produits. Alors les produits, ce sont des logiciels qu'on a développés depuis 7 ans aujourd'hui, que vous voyez ici. Hein, c'est le Novius Labs qui développe ces logiciels. Alors ce sont des logiciels qui ont des noms, Publinova, Postanova, j'en ai pas, c'est les meilleurs. Il y a 5 logiciels qui, globalement, font de la gestion de contenu Internet. Alors, on a décidé, il y a un an, mais on est passé à l'acte depuis décembre, de passer en open source ces logiciels et de les regrouper sous l'appellation Novius OS, qui est un système qu'on vous présente ce soir, et qui est une nouvelle façon de gérer le web, une nouvelle façon de construire le web pour les professionnels de la communication. Alors je vais vous expliquer pourquoi en deux mots. Juste pour commencer, c'est un système qui s'insère dans l'écosystème open source. On est très actif, pour ceux qui connaissent, avec la communauté de FuelPHP, HTML5, jQuery, Gizmo, AGPL version V3, alors ça c'est la licence qu'on utilise, c'est la version Affero pour tout ce qui est logiciel en mode SaaS, on va dire, et GitHub qui est notre source source. Alors qu'est-ce que c'est Novius OS? Il y a une interface qui est présentée ici. C'est un système qui permet sur un poste unique de gérer ces données de communication. Alors ça permet de gérer tout ce qui est relatif à Twitter, à Facebook. Ça permet de gérer son site web, ça permet de gérer son blog, son webzine, ça permet de gérer ses flux RSS, ses newsletters sur une interface unique. Alors, on a appelé ça Novius OS. En réalité, si on regarde bien, il y a deux raisons pour lesquelles on a appelé ça Novius OS. La première, c'est que c'est en open source, et la deuxième, c'est que c'est un operating system, un quasi-operating system, un web operating system. Donc c'est un point qui est important parce que ça permet vraiment de gérer l'ensemble de ces données comme si on était sur un système, un OS classique. Il reste 10 secondes. Je voudrais juste vous citer une citation d'Albert Bruck qui est ex-rédacteur en chef de LinuxFrench.net. L'avenir des CMS, donc à propos de Novius OS, hein, l'avenir des CMS est-il en train de prendre le bout de son nez? Novius OS est un CMS véritablement enfin Web 2.0, toujours en développement très actif, qui, s'il arrive à terme, devrait vraiment changer la donne dans le monde bien étroit des CMS open source à succès. WordPress, Drupal, j'en cite des meilleurs. Nous, on est là parce que, j'ai fini, je suis désolé, on veut faire un appel à des développeurs, faire un appel à la communauté pour rejoindre le mouvement, et le Web 2012 est une excellente plateforme pour qu'on lance cet appel. Merci à tous. Vous vous situez par rapport à WordPress, Drupal, Speak, Joomla, etc. Par rapport à JolyCloud, par exemple, comment vous vous situez par rapport à... Parce que je trouve que ça ressemble plus à JolyCloud qu'à WordPress, par exemple. Tu réponds, la réponse vient de derrière. Bonjour, Antoine Hébert, site Novius. Donc simplement, JolyCloud, il va se situer un petit peu plus comme un launcher, enfin, il y a certaines parties applicatives. Notre système est vraiment un framework de développement, donc il prévoit de développer des applications pour ce système de communication sur Internet. Donc voilà, il y a vraiment une partie développement, interface graphique et autres qui est intégrée dans ce framework. Je ne sais pas si ça répond à la question. Quelque part, c'est un peu un mix entre les deux. Il y a un type de développement intégré.